Hey yo, what's up les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sandoria les amis. Une petite vidéo en mode relax, détente, encore une fois, comme j'ai l'habitude de faire, il n'y a aucun joueur de connecté. Il y a environ, je vais juste regarder mon portable vite fait ici. Excusez, il est 2h du matin, il n'y a vraiment personne, sur environ 8h chez vous. Fait qu'on est le 2 janvier. Et puis voilà. So, j'ai décidé de vous présenter ma base. Je suis désolé pour les bruits de le micro, le souffle, etc. Ça va bientôt être réglé, les amis. J'ai trouvé une nouvelle technique pour que l'audio soit un petit peu meilleur que d'habitude, que vous m'entendez pas dans le fond d'une pièce. Alors, j'espère que ça marche. Alors, aujourd'hui, les amis, j'ai décidé de vous présenter ma petite base que j'ai fait avec Fabio. Je sais qu'il y a d'autres gens qui sont dans leur home avec nous, mais je connais pas leur pseudo exactement maintenant. Alors, en gros, ben voilà, je vais vous montrer un peu le stuff qu'on a, les potions... un peu de tout, on a plein de trucs. Et puis dans cet épisode là j'ai juste vraiment envie de vous dans le fond vous montrer un avancement de base. Je vais faire une base, dans le fond je vais continuer à la créer, parce que je faut faire plus de coffres sur le côté. Fait que plutôt peut-être vers ici ou là, ça c'est vraiment pas beau. Faut enlever ça aussi. Fait qu'un petit peu de build aujourd'hui les amis. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais bon, c'est comme ça. Parfois des épisodes où il faut faire que du build, d'autres épisodes qu'il faut que miner, plein de trucs comme ça, c'est le but de truc. Aussi un truc qui est plate maintenant sur le serveur les amis, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs. Je m'explique en disant ça, c'est qu'il y a environ 30 à 40 joueurs, ce qui est vraiment très 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 peu pour surtout pour le serveur de slide, surtout qu'il y a normalement il y a quand même 50 000 abonnés, il devrait avoir plus de joueurs. Je sais pas pourquoi vous les amis il y en a plus autant. Si vous avez des réponses à tout ça, dites-le moi dans les commentaires, ce serait intéressant qu'on puisse se débattre là-dessus, pourquoi il y a moins de joueurs, de moins en moins de joueurs. Ça peut être un bon sujet à débattre. Surtout que chacun de vous a une opinion différente. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Alors ça pourrait être intéressant de savoir l'opinion de chacun. Voilà, voilà. Fait comme vous avez pu voir les amis, j'ai décidé de faire le plancher un peu spécial. J'espère que tout ça va devenir vert. Et puis je pense que ça va pas fonctionner. So, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la terre. On va prendre une pelle. Hop là, je t'ai vu une là. On va prendre une pelle. On va tout enlever ça, puis on va faire le plancher en bois comme le ça. Dans les trois pièces, ça va être trois pièces à coffre, les amis. Je vais m'expliquer, on va mettre que des coffres. Je vais essayer de faire des belles salles de coffres, comme ça en même temps, vous allez pouvoir voir mon talent de décorateur qui est vraiment extrêmement pas bon. Enfin bon, c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Je crois que c'est ça. Comme ça, yep. Et puis là, on va faire un petit pattern, genre ça. Ça comme ça, puis on va finir au centre avec du bois blanc. Que ça fait une petite pièce assez sympa. Par exemple, je vais enlever un de plus parce que je trouve ça moche. Et puis qu'est-ce que je vais faire, je pense les amis que je vais mettre des escaliers pour faire une diminution. Puis le plafond on va le faire avec du bois de couleur, possiblement du bois blanc. Même chose, on va faire la même chose que partage, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire. J'ai pioché une autre pioche. Y'a pas de pioche là. Y'a pas de pioche qui traîne. J'en ai eu une en diable là. Voilà. Comme ça. Nickel. Et puis voilà. Fait que j'espère sincèrement que cette série là vous fait plaisir les amis. Même si on est descendu à un épisode par semaine comme je l'ai dit. Je sais pas encore combien de temps que je vais la continuer cette série là. J'espère encore longtemps. Mais un instant. Si y a de moins en moins de joueurs les amis, je vais pas la continuer. Du moins, je vais pas rester sur le serveur, je veux dire, c'est plate, je veux dire. Et imaginez, vous jouez sur un serveur, puis tous les joueurs commencent à s'en aller de plus en plus, ben, c'est pas trop amusant. Et puis, ça va pas me tenter de rester, si vous comprenez ça, j'imagine. Slashcraft, on l'a, Slashcraft, ça c'est bien. Si on va faire ça. Ça. Des petits bugs, parce que je suis en train de faire le montage d'une partie de CSGO. Que j'ai réalisé, que j'avais envie de vous présenter dans le fond. Sauf ça. Ouais. Ça, je crois qu'on va faire ça ici. Ah ouais, ça, je trouve ça swag. Attends un instant. Tac. 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 Ah. Tac. 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 Même chose là. Ah tabarnak, je me suis fait.
C'est ça, c'est juste de réfléchir quand on construit les amis. Je suis vraiment en mode détente. Normalement, j'écoute de la musique, mais si je vous mets de la musique, il va y avoir des copyrights, ça va être un peu de la merde. Ça, j'ai pas envie qu'il y ait des copyrights non plus. Je vais continuer à faire ma YouTube money tranquille. Comme ça. Comme Comme ça. Ok, même chose là. Faire ça. Ça. Comme ça. Il y a quelque chose de pas égal dans cette petite pièce-là. Oh, je sais pas. C'est pas grave. Ok, je pense qu'il y a le tonnerre aussi, ça. C'est sûr qu'il y a le tonnerre. Je sais pas si vous l'entendez fort. Comme ça. Comme ça. Ok, et là, on va mettre ça. Ah ouais, on va peut-être mettre du pot comme ça. Et voilà. Bon, c'est pas super super beau les amis, c'est juste pour aménager. Pour pas que ce soit trop blanc, trop pierre. C'est pas l'important. Trop roche. XD, ok, c'est bon. Fait que c'est juste pour vraiment que ce soit un peu plus beau que la normale les amis. Quintez-vous pas. C'est pas censé être le plus beau des trucs du monde. C'est un petit truc qui fait plaisir. Ici, on va enlever ça. Et on va mettre ces là. On va mettre les cadrages en bois comme ça. Je suis malade aussi, comme vous avez pu voir. Je commence à être malade. C'est la vie, les amis. Je veux dire, on choisit pas ce qu'on veut. Hein. Les familles, les soupers de famille durant le temps des fêtes, ça donne les maladies. Ça donne le sida. Ça, faut pas que tu couches avec tes soeurs et tes frères. Mais bon, ça, c'est un détail. Là. On va pas en parler trop trop. Fait que voilà. Attendez un instant. C'est vraiment fatigant le son. Hein. Je sais pas si vous l'entendez beaucoup, moi j'entends très fort. Je sais pas si vous l'entendiez. Voilà. Aussi je voulais vous parler les amis, je sais pas si vous connaissez Max 4230. Ben, ils vont bientôt ouvrir des serveurs Hunger Games. À l'heure que vous écoutez cette vidéo-là, ils sont déjà ouverts. J'ai pu les tester à l'heure que vous écoutez la vidéo. Je les ai pas encore testés exactement maintenant, mais à l'heure que cette vidéo-là va sortir, si je les avais testés, j'en ai déjà parlé un peu avec lui. On en a beaucoup parlé en fait, et puis ça va vraiment être de la bombe les amis. Fait que je vais faire des vidéos là-dessus, vous allez voir, c'est des nouveaux Hunger Games. Un petit peu mieux, ben, un petit peu mieux que ZK, un petit peu mieux que Gary personnellement. Si c'est vraiment ce qu'il m'a dit à l'écrit et puis qu'on a parlé, ça va être vraiment de la bombe. Par exemple, ça va être à vous de juger bien entendu le public. Je veux dire, moi je vais l'aider à propulser ses serveurs, mais d'un côté c'est vous qu'il faut qu'il aime, je veux dire, faut que ça soit bien après pour vous. Parce que moi j'ai beau aimer si vous vous aimez pas. Même chose pour Netscraft. Netscraft, ils ont ouvert un network. Je vais continuer à propulser ce network-là parce que je pense que c'est un bon network de mini-jeux. C'est un peu dans le type d'Epicube, mais créé vraiment à la main par, par un jeune garçon, genre quelqu'un de plus jeune. Tu vois que ça y tient à cœur, etc. Moi, ça me donne l'envie de l'encourager. Si je veux l'encourager, je vais continuer à propulser aussi Netscraft. Puis, quoi d'autre, les amis, que je voulais vous dire? Ben, je pense que c'est tout. Je vous ai pas mal tout dit ce qui est important à vous dire. Je vais juste aller voir là. Ce que ça donne. Ouais, on va changer ça parce que de ce côté-ci, ça va être notre salle plus brune. Ouais, d'accord, on va faire ça ici. Je vais faire ça comme ça. Comme ça. Comme ça, ça rend swag. Nickel. Comme ça. Et là, on va creuser des salles ici. Fait que voilà. J'espère sincèrement les amis que voilà ça va vous faire plaisir. J'ai essayé de faire des mini-jeux sur le network maintenant. Plus de factions par exemple, ou du moins très peu je pense. Je pense pas en refaire d'autres. Non, non, non. Peut-être continuer la série PvP faction, mais en faisant des mini-jeux. C'est pas vraiment une série PvP faction, mais bon, ça peut être quand même le fun. Attends un instant. Faut juste que je calcule là. 3. Oh shit, ma pioche. 3. Ok. C'est good. C'est fatigant le tonnerre. Tabarnak. On va faire ça comme ça. Ok.
Aussi, j'ai vu les amis qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui disaient que je passais pas de temps sur mon montage, etc. C'est pas les amis parce que j'ai pas d'intro ou d'intro. Maintenant, j'en ai une intro, j'en mets parfois des intros. Mais c'est pas parce que j'en ai pas les amis que je fais pas de montage, vous savez. Je veux dire, c'est quand même long à trouver des idées de ce que je vais faire dans mes épisodes. C'est quand même long de juste faire les rendus, rajouter quelques images, modifier les effets d'audio parce que parfois l'audio est vraiment pourri et je dois le modifier. Il y a plein de trucs nécessairement que vous voyez pas que moi je fais qui font que les vidéos sont un petit peu de meilleure qualité. J'essaie de travailler pour mettre en 60 FPS tout le temps ou encore en 1080p. Encore, je sais pas trop. J'ai pas, c'est pas que j'ai pas envie les amis, hein, j'essaye, c'est juste que je dois tester plusieurs trucs. Holy fuck, deux cœurs. On a failli passer. Tac. Je suis en train de voir s'il n'y a pas des trucs qui peuvent se stacker. Non, c'est bon. Si on va faire ça. Ça et ça. Tac, 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 et tac. Voilà. Comme ça. Par exemple, ça va nous prendre des blocs de cobblestone. Comme ça. Pour pouvoir bloquer la lave. Comme ça. Ok, ça a l'air profond en plus, esti. Oh, tabarnak, t'es pas sérieux. On va faire ça de même. On va le finir là d'abord. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Je crois qu'on a pas trop le choix. Ouais. On va faire ça comme ça. Comme ça. Puis on va faire une belle pièce là. Ouais, on va faire une belle pièce. On va faire cette pièce-là, puis je vais vous laisser. Les autres pièces, je vais les faire en solo, ou je vais juste pas les faire complètement. Comme ça va faire un petit épisode blabla, en même temps de quelques petits trucs importants. Le sol, je vais tout le faire en brun, comme j'avais fait à l'autre. Puis les coffres, on va juste les incarner dans les murs, ou sur les côtés, comme dans la première pièce. Ça, comme ça. Je pense pas que ça va brûler, partir en feu. Non, 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 pas censé. Comme ça. Nickel. Et puis, on va continuer. Bah, c'est bientôt fini, les amis. Puis voilà, je sais pas trop quoi faire comme à cette heure-là, j'aurais voulu aller PVP les amis, mais bon, je suis tout seul sur le serveur, c'est ça que je vous dis, comme je vous disais au début de l'épisode, c'est un peu ballot, mais bon. I mean, à la fin, ça va, ça peut être intéressant. Tac, tac, j'aurais voulu inviter quelqu'un, j'étais avec Jim Tus, puis j'étais avec des Québécois dans la convo, mais quand je fais des vidéos avec des Québécois, la plupart du temps, vous comprenez rien, c'est pas trop le fun pour vous non plus, hein. Je veux dire, le but, c'est que vous compreniez un minimum quelque chose. Ok, ça, comme ça, comme ça. Ça, on va poser un coffre là. Comme ça. Ah, attendez, je crois qu'il y a une erreur. Ouais, c'est comme ça qu'on va faire. On va poser des coffres là. Ici, on va remplir de ça. Ah non, on va casser le mur de 1. Ça, on aura un écart de 1 entre chaque. Ça va être encore plus beau. Fait que, allons-y. Là, il y a de la lave. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Et on va juste tasser celle-là. Oups, la hache. Tac, tac. Ça c'est une petite porte, une salle de coffre assez easy les gars là. Vous allez voir, ça prend pas de temps. Tac 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 tac.
Comme ça. Et voilà. C'est ce que je voulais faire. Comme ça, on a des coffres là. Puis on va essayer de tout bien ranger. On va y arriver, inquiétez-vous pas. Tac, 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 tac. C'est pour ça que j'avais mis celle au départ. Là. Et là. Pour le bac des coffres, regardez bien ça. On va faire ça en mode YOLO. Comme ça. C'est bon. Nickel. Comme ça. Et là, ici, même chose. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ici, on va faire des trucs comme ça. En mode YOLO. Tac, tac. C'est peut-être plus beau que les escaliers, là. Je sais pas. Dérange pas personnellement. Je sais juste qu'on va mettre tout ça là. Prends ça. Mettre ça là. Prends ça. Slash craft. On va faire des coffres. Voilà. Coffre, voilà. Puis on va mettre des coffres ici, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, comme ça, ça fait des petites places d'arrangement assez simples. Ça prend pas beaucoup de trucs, là, les matériaux, les amis, là. Vraiment, les matériaux qu'on utilise, c'est tout des trucs qui se trouvent à la surface. Mais pas obligé d'avoir de diamants, rien. Assez simple comme technique. Voilà, et comme ça. Pas si compliqué. Et après, vous pouvez rajouter des coffres comme ça. Et comme ça. Là, juste dernier truc pour que les coffres s'ouvrent au-dessus. Je vous conseille quand même de mettre des dalles. Vu que nous, on est en mode YOLO, on va y aller avec des dalles blanches. J'ai mis... Ah, je les ai pas gardées. C'est bien important de mettre comme ça. Sinon, le coffre va pas être capable de s'ouvrir quand même. Et regardez, ça paraît quasiment pas que c'est des dalles. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Désolé, j'ai coupé le micro quand j'ai été éternu. Happy Chum, je sais pas comment vous dites ça. J'ai pas envie que vous entendiez tout ça. Voilà. Je vais faire ça ainsi. Comme ça. Et comme ça, ça nous fait un petit compartiment pour les coffres. Puis on va mettre juste notre autographe. Bon, ok, la première pièce là est pas belle. Je dois vous l'avouer. Mais bon. Made by Icons QC. Car. Genre, on peut pas ouvrir celui-là? Ah non, c'est vrai. Ah, je suis con. Pour un instant, j'ai cru que j'en pouvais pas les ouvrir. Faut casser les deux. Je suis con, j'avais pas pensé. Voilà, 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 voilà. Maintenant on peut les ouvrir. Au grand complet. So voilà, c'était tout. Les amis, c'était Icon. Ciao. Non, c'est pas vrai. Je vais pas le quitter comme ça. Je vais vous faire rouler l'intro. Mais avant, je voulais vous souhaiter à tous,
Sincèrement, une belle année 2015, les amis. Je sais que j'ai déjà dit souvent dans mes vidéos, mais j'espère sincèrement que ça va être la plus belle de vos années, les amis. Qu'on va passer un plein de temps ensemble. On approche des 4000 abonnés sur ma chaîne YouTube. On était exactement 3950, je crois. Ouais. 3950. Quelque chose comme ça, je sais plus trop. On approche des 4000 abonnés. Pour les 4000 abonnés, je vous prépare quelque chose de vraiment gros. Je vous prépare quelque chose de gros parce que pour moi, 4000 abonnés, c'est beaucoup. C'est pas du tout ce que je m'attendais. Je vais tout vous expliquer ça bientôt. Mais ouais, quand j'ai commencé YouTube, mon but, c'était pas d'avoir 4000 abonnés. Mon but c'était vraiment juste de faire des vidéos. Je pensais qu'à 1000 mon fame serait arrêté, si on peut dire ça ainsi, que genre j'ai arrêté de prendre des abonnés. À 2000 j'ai dit crème, c'est pas normal. 3000 j'ai dit waouh, ça monte trop vite. Puis 4000, ben là je crois qu'on a atteint le sommet. Fait que je pense plus que ça va monter aussi vite que ça l'a monté avant. Mais on va continuer à s'amuser ensemble. Je crois que c'est l'important les amis, sincèrement. Mais voilà. Comme j'ai dit, genre n'importe qui commence YouTube en ce moment se dit tous qu'ils veulent devenir populaire. C'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un populaire les amis. Vous allez pas être populaire, vous allez pas être mieux que quelqu'un parce que vous avez des abonnés sur YouTube ou encore sur Twitter ou sur Facebook. C'est juste dans le fond que vous avez une communauté qui regarde vos vidéos. Sur Twitter vous êtes juste quelqu'un qui se la pète, c'est tout. Je rigole les gars, inquiétez-vous pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire dans le sens que ça change pas une personne. On reste des humains derrière, puis je crois que on a tous le droit d'être accessible. Je suis beaucoup accessible pour les abonnés, mon Skype, tout le monde l'a, la plupart d'entre vous. Et puis vous le savez les amis, la plupart du temps le soir avant de me coucher, je m'assieds dans mon lit, j'ouvre mon portable et je réponds à la plupart de vos messages. Ou du moins j'essaie le plus possible. J'en ai genre au-dessus de 1000 à chaque jour. Et puis à chaque jour j'essaie d'y répondre le plus possible. Je suis pas seul qui fait ça, il y en a plein d'autres qui font ça, mais voilà. Moi je trouve que c'est bien de rester proche de sa communauté. Et je pense que c'est en partie pour ça que vous m'aimez. Fait que voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aimerais vraiment ça que vous me disiez ce que vous pensez. Pourquoi vous êtes sur ma chaîne YouTube? Qu'est-ce que vous aimez le plus sur ma chaîne YouTube? En même temps, ça va me faire dire, ça va me faire voir dans le fond qu'est-ce que vous aimez le plus, qu'est-ce que vous voulez voir le plus. Et puis voilà, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura des Hunger Games bientôt sur ma chaîne. Il y aura plein d'autres trucs. J'essaie de vraiment concentrer, de modifier plein de trucs pour que ça plaise au plus de gens possible et que ça me plaise aussi, parce que bien entendu, juste du PVP, juste du pillage, etc., c'est le fun, ok, mais je sais, c'est pas nécessairement tout ce que je veux faire. Je voudrais pouvoir aussi faire des présentations de mode, des texture pack showcase comme j'ai déjà fait, que j'ai vu qu'ils vous ont quand même pas mal plu, le texture pack showcase. Fait que voilà, so, donnez-moi vos avis dans les commentaires les amis, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était la con, je vous aime tous du profond de mon cœur. Roll the intro. New singer on the chorus whose name I can't mention. Here we go. I've seen people on the sidelines. You follow all the guidelines. You wait your turn and follow rules. I live like I got 9 lives. My strength is like what life is like. A battle just like grind time. I save up all those timelines, but you still watch my blind side. From the jump you could tell my attitude was way different than them dudes.